Aujourd'hui, on est samedi. Samedi 8 décembre. Aujourd'hui, je pars pour la compète qui se passe demain. Donc là, comme vous avez dû voir avec les petits plans, je fais la cryothérapie. Je vais faire ma dernière séance de cryo. Et j'ai encore un petit peu mal. Ouais, je vous avais pas dit, j'ai eu un torticolis pendant presque une semaine. Donc c'est galère. J'ai galéré pour m'entraîner. Cette semaine, je me suis entraîné que deux fois sur les dips et les tractions. Et là, il y a un pote, il se met, il rigole. Parce qu'en fait, il n'a pas l'habitude de me voir vlogger et tout. Il me voit à la salle et tout, mais il me voit pas vlogger et tout. Donc, ouais, je me suis entraîné que deux fois cette semaine et tout. Et la douleur n'est pas totalement partie. Là, j'ai encore un petit peu de torticolis. Mais bon, la cryo, ça va trop rien faire là-dessus. Parce qu'en fait, il faut de la chaleur pour mon cou, pour les torticolis. Mais bon, ça va quand même faire du bien. Mais bon, là, c'est pour récupérer autre part, les muscles, etc. Pour bien dormir, bien récupérer. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, la dernière séance de cryo. Après, je prépare mes affaires et je me casse. Vous avez vu, je vous ai filmé vite fait une voiture rouge. Et ouais, j'ai dû louer une voiture parce que je peux pas prendre ma Smart, trop petite. Je peux pas prendre l'autre, elle consomme de ouf. Donc là, j'ai 400 bornes à faire pour y aller. À peu près 4 heures de route. Donc j'ai une petite voiture pas chère, 80€ les 3 jours. Petit Twingo, je pense que ça fera l'affaire. On part à deux. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure. Yo yo les dragons, donc. Je suis rentré chez moi, j'ai préparé mes affaires, j'ai essayé de faire une petite sieste mais j'ai pas eu le temps. Donc là je suis à la gare, je vais chercher la personne qui m'accompagne pour la compétition. Et après on prend direct la route. Donc là je suis dans la petite voiture, hein, petite Twingo. Les gars, au cas si vous voulez avoir des bons tarifs pour louer une voiture, c'est pas un placement de produit, hein. Moi j'utilise AutoEscape, allez sur autoescape.com et vous avez les meilleurs prix. C'est un mec qui travaille dans les locations de voitures qui m'a conseillé ça. Donc voilà. Donc là j'ai préparé mes affaires, j'ai ma petite Monster 0 calories pour la route là. Et j'ai pris ça pour l'accompagner la personne qui m'accompagne. Hein. Puis même moi je vais tester. Voilà, c'est petit gâteau, hein, pas beaucoup de sucre. J'ai dit on va tester. J'ai bu ça. J'ai dit ouais j'ai acheté ça pour manger 2 ou 3 gâteaux sur la route, parce qu'on a quand même 4 heures de route. Donc voilà. Donc là, j'attends que la personne arrive. Et après bah. On décolle et je pense qu'on se retrouvera direct à l'hôtel. Je vais même pas vous faire des plans de la route. Ça sert à rien vu que la route, c'est moche quoi ici quoi. Enfin même vers la Hollande et tout. Voilà, c'est gris, c'est pas beau. On verra. Bon allez les gars. Je suis arrivé à l'hôtel, donc l'hôtel c'est un espèce de, c'est un hôtel, il y a au moins 500 chambres, c'est un grand complexe en fait. Là il y a des couloirs, c'est la mission, il y a 2 restaurants, et en fait je pense que c'est un grand complexe, et du coup il y a plein de salles qui sont collées à l'hôtel, et c'est là qu'il y a les compétitions quoi. Je sais qu'il y a une compétition de bodybuilding, il y a une espèce de fit expo, j'ai pas encore été voir, je viens d'arriver. Hein. Et donc là on va aller manger, on va aller dans le centre de Eindhoven. Parce que la personne qui est avec moi ne veut pas manger dans le restaurant de l'hôtel. Et du coup, on va retester un truc qu'on avait mangé à l'époque. Parce que c'est la deuxième fois que je viens à Eindhoven. C'est la dernière fois on était venu pour la compète là. Celle où j'avais fait deuxième et troisième, il me semble, je sais plus. Donc du coup, là, c'est encore Eindhoven, mais c'est dans une autre partie de Eindhoven quoi. Donc voilà. Donc là, on voit la voiture et je vous filme ça tout à l'heure ce qu'on va manger. En fait c'est immense de ouf, franchement c'est très grand quoi. Limite on peut se perdre si on n'a pas le plan. Là il y a un restaurant, là-bas il y a un buffet. Tac. Donc voilà, allez, on va manger. Yop, donc alors, ce qu'on a pris à manger, c'est des quesadillas, des quesadillas avec des tacos. Voilà, ça a l'air d'être vraiment bon, avec un petit coca zéro. Donc là, on est dans un espèce de street food. Donc,
je vais vous faire des plans tout à l'heure. Là, je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Donc en gros, il y en a pour tous les goûts. Donc là, après, il y a un truc de pancakes. Donc je pense qu'on va faire un tour, je vais prendre des pancakes pour les manger à l'hôtel. Voilà, tout simplement, ça sera le petit dessert. Pancakes, voilà ce que j'ai filmé tout à l'heure. Voilà, ça, je mange ça. Après, là, je vais voir des autres Français là qui font la compète de Squid Workout. Yo yo yo, bon, voilà, je suis avec des Français, ils vont se présenter. Mehdi, allez, c'est quoi ta team? Street Pop Team. Ça fait combien de... Nous, on s'était vu à la compète de... Ouais, du Pays-Bas. C'était le Calisthenics Cup, je crois, c'est ça? Ouais, c'est genre les qualifications pour les championnats du monde là, ouais, c'est qui n'ont jamais eu lieu pour l'instant encore. Pour l'instant, on ne sait pas, peut-être dans 10 ans. Et ça fait combien maintenant que tu fais du street? Ça va faire pratiquement 4 ans. 4 ans, ok. Et là, demain, tu fais tout? Ouais, je fais toutes les épreuves. Ok. Avec mon collègue James. Je mettrai son Insta là. Et lui, c'est le cousin asiatique. Je suis cousin à Double Dragon. Voilà, je t'ai rencontré dans toutes mes compètes que j'ai fait, sauf les All-Bars. Et on se titille un petit peu à chaque fois. Donc, normalement, je t'avais pas filmé. Si, je t'avais filmé vite fait à la dernière compète à Eindhoven. Ouais, je m'en souviens. T'avais gagné en. En muscle up, ouais. Muscle up 10 kilos, lesté. Ouais. Et puis, traction. Dips, t'avais fait deuxième, je crois. Dips, ouais, il y avait deux fois deuxième et une fois troisième. Et toi, ça fait combien de temps que tu fais du street? Ça fait 5 ans. Donc, je vais mettre son Insta aussi. Comme ça, vous verrez. Ça c'est des mecs qui font que du street, pas de salle. Pas de salle, ouais. Pas de squat. Que dehors. Pas de squat, ouais. Été, hiver. Moi, je fais de la salle, mais je fais que du street. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Voilà, voilà. Là, on a checké un peu. Bah là, on est dans un putain d'hôtel, les gars. Bon, il y a plein de couloirs, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Donc on se retrouvera demain pour que je vous montre ça. Donc, comme vous avez vu, j'ai mangé, hein, le petit déj. Donc, ce qui est bien, là, il y avait du choix. Donc, pancakes, café avec des œufs. Bon, voilà, j'ai mangé le petit déj. Donc là, je vais aller à la peser. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, petit déj, hein, vous avez vu, c'est sympa. On peut manger des œufs, des pancakes, voilà, café, des fruits, ananas. Donc, j'ai mangé le déj parce que hier, j'ai bien mangé. Donc pour que j'ai le temps de digérer tranquille. Donc là on va la peser et je vais vous montrer ça. Bon, mon dragon, là c'est bon, je me suis pesé, donc je suis à 74,5 kg. Donc là, la compète elle commence déjà, mais c'est que du poids de corps. Donc c'est traction, pompe, dips et tout, mais au poids du corps. Pour les poids, ça arrivera sur les coups de 15 h. Donc là, il est midi, je crois.
Il est quelle heure? Non, il est 11h, non, il est 11h. La pause est en train de dire 11h, donc là j'ai du temps. Donc là je vais rentrer, je vais faire ma toilette de chat, hein, comme dirait une personne, ceux qui me comprendront me comprendront. Et je vais préparer mes affaires, après je reviens. Donc voilà, tranquille. Bon, de retour. Les gars, là, je me suis posé un peu à l'hôtel après la pesée. Donc, une heure et demie, deux heures, tranquille. Posé, regarder la télé, préparer mes affaires. Parce que là, la compète a déjà commencé, mais moi, je passe après. Moi, c'est les dips lestés, les tractions lestées, c'est vers 15h, il me semble. Là, il est 13h, je vais y aller. Donc là, avant, il y a eu muscle up et traction au poids du corps. Donc, j'ai loupé ça. Donc, désolé, j'ai pas pu filmer. Donc après là, le temps que j'arrive, je pense que ça sera peut-être les dips et les pompes. Et après, ça sera à moi. Donc voilà, donc je vous montre un peu ce que j'ai préparé comme pré-workout. Donc, je me suis pris une petite Monster, 0 calories, et un petit shaker et deux dents. Et ben c'est simple, il y a un booster, pré-workout Hydravol de EQNT, avec de la citrulline malate. Voilà. J'ai mélangé ça les gars. Avant de m'échauffer, et comme ça je pense que je serai chaud. Donc oui, je vais avoir de la congestion, mais bon, ça aide à chercher les dernières aides, parce que tu es une malade aussi, donc on verra. Allez, 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 allez.
Bon, les dragons. Compète fini. Je viens de visionner les vidéos. Donc, je suis dégoûté. Hein, parce que, bon, en traction, c'est normal. Traction, je m'attendais pas à grand chose. Je sais pas combien j'ai fait, mais en tout cas, j'ai pas fait podium. J'ai fait 9 reps. Enfin, 10 et m'ont invalidé 9. Parce que la 10e, elle était limite apparemment. Donc, ils m'ont pas validé. Je sais pas si dans une autre compète, ils auraient pu me la valider. Je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Parce que j'étais plus dedans en fait. J'ai commencé par les dips. Donc, en fait, ça tournait entre traction et dips. Et on avait le choix de commencer par les dips ou les tractions, je crois. Et moi, j'ai commencé direct par les dips. Et on n'avait pas beaucoup de temps de récup. Bref, et j'étais blasé par rapport aux dips. Dips, j'en ai fait 19. Et on m'en a validé 16. Du coup, je fais deuxième. Le premier, il en a fait 16. Il a validé les 16. Et vu que je crois qu'il était un peu plus lourd que moi, donc c'est lui qui est premier. Donc moi, j'ai fait deuxième. Donc je suis dégoûté déjà, premièrement, parce que j'ai fait 19 reps, alors que mon record, c'est 23. Et derrière moi, je vais aller à chaque fois 20 reps. Donc peut-être que je ne me suis pas bien échauffé. C'était long. On a attendu au moins 3-4 heures après la pesée. Donc c'était long à attendre. Donc voilà, peut-être que je ne me suis pas bien chauffé. J'étais pas très bien. Après, j'étais déter, mais bon, avec 19 reps, normalement, voilà, je suis premier. Et normalement, j'ai bien regardé les vidéos. Je vais les mettre au ralenti. Les premières reps, je vais les mettre au ralenti de mes dips. Parce que ça se peut, je me trompe. J'ai pas encore bien visionné à fond, mais normalement, mes reps, elles sont bonnes. Parce qu'apparemment, j'étais pas à 90 degrés sur les premières. Du coup, le mec, il me disait ça. Et du coup, sur celles d'après, bah, j'ai forcé à descendre en dessous des 90. Parce que voilà, j'ai peur d'avoir des no-reps. Et il m'en a pas validé deux, je crois, au début. Après, ma dernière, je crois, il m'a pas validé. Enfin, l'avant-dernière. Donc, du coup, 16. Donc, je suis déçu. Parce que voilà, j'en ai marre d'être deuxième. Je voulais gagner ma première compète. Et bon, je suis énervé. Je vous dis franchement, je suis énervé. Mais bon, j'ai gagné une médaille d'argent, une whey. Bon voilà, c'est pas QNT, donc c'est pourri. Hein, vous avez moins 20% avec le code Dragon sur le QNT. Et voilà, il y a un sac. C'est bien au moins là par rapport à la dernière fois, il y a des trucs. Donc un shaker. Voilà, il y a ça. Des prods. Des chips. Là, j'ai mis des chips. Ouais, des petits trucs sympas, des goûters quoi. C'est quoi ça? Des gants. Ouais, une petite canette énergie, ouais. Voilà. Ouais, pas mal de trucs. Voilà. Bref, moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger au même endroit que la dernière fois, que hier. Et c'est tout, on va se laisser là. Je vous montrerai ce que je vais manger. Et après, ça sera la fin de la vidéo. Donc voilà, je suis déçu. Sinon il y avait les autres français, des jeunes, tout le monde a fait des podiums, a gagné des trucs. Donc j'ai filmé quelques personnes, j'ai pas pu tout filmer. Et voilà quoi, et aussi il y a un truc, il y a un des juges, il était casse-couille de ouf. Il cassait, à chaque fois que tu passais avec lui, il était casse-couille sur des petits détails. Et sur certaines personnes, il cassait pas la tête aux gens sur des détails. Genre je sais pas, t'es au dips, t'as bougé un tout petit peu ton pied en arrière, bah c'est mort, là, il y a nos reps, tu vois. Alors que les autres, ils passaient avec des autres juges, bah ça passe. Et moi, je suis passé avec lui, et c'est lui qui m'a enlevé les reps. Et ça m'énerve. J'ai quand même vérifié mes dips, mais j'en suis sûr que j'en ai fait plus que 16 validés sur mes 19. C'est sûr et certain, j'en suis sûr à 100%. Donc voilà, mais après, je vais pas remettre la faute sur eux. J'aurais dû me faire au moins 23 reps, mon record. Ou 25, comme ça, ils m'en ont enlevé 5-6, c'est pas grave, j'aurais mis tout le monde d'accord. Donc c'est à moi de m'entraîner et à mieux me préparer pour les compètes, parce que là, j'attendais trop, je me suis mal échauffé, j'aurais dû faire peut-être quelques dips-st avant de passer. Mais bon, c'est long, c'est un peu compliqué, les trucs comme ça, il faut savoir gérer les compètes. Donc c'est mieux quand tu passes en premier, je pense. Moi, je passais tard. Donc au final, voilà, c'est tout. Yo yo les dragons, bon on va conclure cette vidéo par mes petites impressions, un petit résumé. Donc aujourd'hui là on est mercredi, ouais mercredi, hier j'ai une grosse journée de travail, vous savez le matin, la salle, le soir, chauffeur, etc. Entraînement, je suis fatigué là, j'ai peut-être des cernes je pense. Là je fais la petite conclusion de vidéo avant d'aller m'entraîner. Donc, là, petite réaction à froid, pas à chaud comme vous l'avez vu juste avant. Donc là, à froid, j'ai analysé les vidéos, etc. Non, on va pas commencer par là. On va commencer par déjà la compétition. À la base, ça faisait un moment que je savais qu'il y avait cette compétition qui devait se dérouler. Mais j'étais encore en hésitation parce que
me sentais pas prêt, tout simplement, parce qu'en plus j'avais une petite blessure au coude, parce que j'avais forcé un peu sur le développé couché à mes entraînements, une petite blessure au coude. Du coup, je pouvais pas vraiment bien m'entrer sur la diff, pas mettre lourd. Donc j'hésitais longtemps, jusqu'à 3-4 semaines de la compétition, un mois. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, je la fais quand même. Je fais des séances de cryo, ça va atténuer la douleur, je pense. Et si ça atténue, je fais la compète, comme vous avez vu dans mon vlog précédent. Et c'est ce que ça a fait. Sauf qu'après, une semaine avant la compète, au centre du Fit Experience, juste avant le centre du Fit Experience, en m'entraînant sur la diff et traction torticolis, pendant une semaine, j'avais trop de mal à récupérer au niveau de ça. Et j'avais commencé à récupérer, mais la semaine de la compète, je me suis entraîné une dernière fois en traction en diff pour me rassurer. Et je me suis fait un petit peu mal, mais bon, le jour de la compète, la douleur, ça allait. Donc, alors, au niveau de la compétition, qu'est-ce qui n'a pas été pour moi? La préparation, déjà, avant la compète, elle n'était pas top. Ensuite, le jour J, j'ai mal géré mon échauffement. Parce que la pesée de 10h à 11h, après la compète commençait, mais c'était au poids du corps, traction, dips, pompe, etc., muscle-up. Au poids du corps, donc moi je devais passer 3-4 heures après. Donc je suis allé me reposer, j'y suis allé quand même vers peut-être 2 heures avant, même facile, c'était encore le poids du corps, j'ai été voir, filmer quelques plans. Et ensuite j'ai commencé à m'échauffer. Donc j'ai pris mon booster, etc. Je commence à m'échauffer, mais le problème c'est que je pensais pas que ça mette autant de temps. Parce que au moment où j'ai commencé à m'échauffer, quand ils ont annoncé qu'on allait faire tout ce qui est lesté, ils ont commencé par les muscle up. Muscle up, comme vous voulez, à 10 kg. Et c'était long. Il y avait beaucoup de monde. Enfin, je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais c'était long. Et du coup, je commençais à être chaud, et c'était pas encore ça, quoi. Et au bout d'un mois, vers la fin des muscle up, je commence à refroidir. Donc j'avais remis ma veste parce qu'il commençait à faire froid. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait ouvert une grande porte, il y avait du courant d'air. Donc je pense que ça m'a refroidi aussi. Et après, ça devait être normalement les tractions lestées et après les dips. Ils allaient commencer par traction lestée. Donc dans ma tête, traction lestée, donc ben, je m'échauffe un peu en traction et tout. Et au final, le speaker annonce qu'en fait, ils vont faire ça en même temps pour gagner du temps. Donc pendant qu'un mec fait les tractions, l'autre va au dips sur la structure. Je me dis, merde, comment je vais faire? Je fais les deux. Plusieurs Français aussi sont en panique. Puis, on va faire les deux, comment on va faire? Ça va être chaud pour la récup. Et du coup, j'essaie d'aller voir le mec pour dire, bon, je fais les deux. J'aimerais bien faire les dips avant si c'est possible et tout. Et le mec il me dit non, t'inquiète pas, tu vas faire les dips avant selon la liste, ton nom et tout, t'inquiète pas. Et ça défie, il y a du monde, il dit bon, c'est long, je commence à refroidir. Tac. Et le problème, c'est que j'ai fait une erreur, c'est de ne pas me mettre échauffé avec du lest. Donc il y avait des poids, mais il n'y avait pas de ceinture lestée. La ceinture lestée était prise par le mec qui faisait la compétition, quoi, qui faisait son passage. Et il me semble qu'il y avait un autre mec avec une ceinture lestée, mais il l'avait toujours sur lui. Comme un con, je n'ai pas été lui demander, je lui dis vas-y, fuck, c'est tout, c'est pas grave. Alors j'aurais dû faire dips lestés à 20 kg ou 30 kg juste avant pour gérer avant mon passage que de faire d'aller direct et mettre 48 kg et subir la charge. Bref, c'est pas une excuse. Donc je passe, déterre, vous avez vu, tac, voilà, j'avais du ameupose dans les oreilles, j'étais déterre, chaud. J'y vais et pendant mes reps et tout, vous voyez, je fais mes trois premières que j'ai mis au ralenti. Tac, je fais, mais j'entends quand même le mec parler et il dit, 19 degrees. Genre, il n'y a pas 90 degrés, quoi. Et du coup, je fais mes premières reps normales. Et du coup, j'enchaîne. Je vais en dessous des 90 pour être sûr qu'il n'y ait pas de nos reps. Donc après, j'enchaîne. Et j'en fais 19. Je loupe ma 20e. Je suis dégoûté déjà. Moi, je suis putain. Je vais en faire au moins 20 minimum, voire 25 pour battre mon record, quoi. Et c'est tout. Tac, je descends, je lui dis « How much ?» Il me dit « 16. » Je le regarde comme ça, je fais « Ouais, 16. » Il dit « Ouais, 19 degrés, regarde la vidéo, tu verras, machin. » Je dis « Ok, je suis dégoûté. » Dans la tête, je me suis dit « Je vais même pas faire podium, que dalle, 16. » Parce que je savais que dans ma catégorie, moins de 80 kg, il me semblait que le meilleur, il avait fait 16 ou 17, pas plus. Donc je me dis, dans ma tête, quand j'ai fait 19, je suis rassuré, normalement, j'ai assuré la première place, je pense. Et du coup, non, 16. Et 19, il m'en avait que 16. Un autre Français aussi, James, lui, il en avait fait 18 et on lui avait dit que 16. Le juge, il dit non. Un autre juge, il dit si, c'est bon, l'autre, il dit non.
C'était un juge, il était roulou, les gars. Laisse tomber, il a relevé plein de répas, plein de monde. Quand tu passais avec lui, c'était la merde. Et voilà. Donc, je vais pas remettre la faute sur, sur le juge. Oui, ça en fait partie. Mais il y a beaucoup de fautes sur moi parce que ma préparation de la compète, le jour J, mon échauffement. Et voilà quoi. Et puis ma perf. Tout simplement, si j'aurais fait 25 ou 23 reps, il aurait pu m'en enlever 4-5, j'aurais quand même gagné parce que j'aurais fait, j'aurais mis tout le monde d'accord. Parce que le premier, il en a fait 16 et 16 validés, il me semble. Et lui, vu qu'il était plus que moi, bah, il était premier. Donc j'aurais dû mettre la diff et pour, voilà, pas d'excuses. Donc fuck quoi. Enfin, voilà, je suis dégoûté. je vous parle, je suis dégoûté là, j'aime pas être deuxième. Enfin là, j'espérais vraiment. J'aurais préféré finir deuxième ou troisième ou même pas faire podium. Si le level il était vraiment au-dessus de moi, genre le mec il arrive, il fait 25-30 reps comme au All Bar Game, le mec il est trop chaud, vas-y c'est bon, je ferme ma gueule, ils sont trop forts et voilà, c'est tout. Mais là, c'est, elle était pour moi normalement la première place. Bref, c'est tout, je vais pas lâcher l'affaire. J'espère que ces vidéos, quand je vais en compétition, vous plaît. Parce que bah, ça me donne un objectif, donc ça me motive et ça me rappelle un peu les battles quand je faisais de la danse et tout. Moi j'aimais bien le rentre dedans, les compétitions et tout. Et là, ça me rappelle un peu ça, je vais en compète et tout, machin, je suis déter, je veux tout niquer. Et ça me fait plaisir, quoi, je kiffe. Donc, le body, j'ai lâché parce que vous savez, quand t'es, pas, quand t'es natif, c'est chaud. Donc, là, dans le street, je pense que moins. Et du coup, voilà, quoi. Donc, j'aime bien. J'espère que vous aimez. Donc, si vous aimez, mettez un pouce, partagez la vidéo. Mettez un pouce. Pour ceux qui viennent d'arriver dans la chaîne, vous n'avez pas vu les autres compétitions, allez voir, j'en ai déjà fait 3. C'est ma 4e compétition. Premier All Bar Game, 4e. J'ai fait 4e, voilà, c'était un truc international aussi. Après, j'ai fait Eindhoven encore, parce que là-bas, ils font beaucoup de compétitions. Eindhoven, je m'étais qualifié pour les championnats du monde au poids du corps. C'était que du poids du corps. Moi, j'ai dû faire 4e, 5, 7e sur on était 40, 50, je sais plus. Enfin, on était beaucoup. Et après, j'ai refait une Eindhoven où j'ai fait 3e en dips, 32 kg. Et 2e en traction, mais c'était 20 kg. Et là, je fais en traction, je sais pas, parce que le niveau était trop haut. J'ai juste fait pour le fun, traction 32 kg. Et dip, j'ai fait 2e. Voilà, parce qu'on était tous ex-aequo. Hein. 1, 2, 3, 4, on avait tous fait 16 reps. Après, ça s'est joué au poids de corps. Donc, voilà. Et puis, je voulais aussi vous remercier pour ceux qui ont commandé Riderwear pour la Black Friday. Là, le mois du Black Friday, il y a eu beaucoup de commandes. Donc, vous nous avez donné beaucoup de force. Donc, merci à vous. J'espère que les fringues vous plaisent. En tout cas, nous, ça nous plaît. Et puis c'est tout, après on vous met tous les liens, les gars, si vous nous donnez de la force, bah, commandez avec le code promo. Alors, vous savez, c'est très bien que ça nous donne de la force, ça nous aide. Donc on vous force pas, mais bon, faites comme vous voulez, testez, si vous aimez, bah, tant mieux, si vous aimez pas, bah, dites-nous en commentaire. Et puis je pense qu'on va en rester là, hein. J'ai rien d'autre à rajouter, je pense, hein. Voilà, c'est tout. Faut que j'arrête de parler, puis il faut que je m'entraîne, parce que au lieu de me plaindre, voilà, je me suis quand même plaint, j'avoue. J'étais plus déçu de moi. Déçu aussi beaucoup du juge. Vous me direz dans la vidéo si je me suis fait boycott ou pas pour vous. Pour moi, vas-y, il y en a peut-être une qui est limite, mais sinon je suis à 90 degrés. Normalement, on valide au moins 18 rêves, bref, ou même 19, même normalement. Donc voilà, fuck, c'est à moi de m'entraîner et faire la diff. Et puis la prochaine fois, être là au top. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis no fake, just training. Au fait, j'ai oublié les gars, dédicace aux Français qui étaient là, qui ont fait la compétition. Donc si je me souviens bien, il y avait les mecs de la team, les soldats du quai, Lynn James, la team Wolf, et tous les Français. Puis il y avait le petit jeune là, Rémi, de la SWAT team, donc dédicace eux, les Français. Donc voilà, chaque fois qu'on se rencontre dans des compétitions internationales, et ben voilà, il y a une bonne ambiance, ça se supporte et tout, franchement c'est cool. Donc dédicace à eux, force à vous si vous regardez la vidéo les gars. Et puis voilà.